Bonjour, ici Rachel, c'est la sainte Raïssa. Bélier, vous ne vous économiserez pas. Il vous faudra faire un choix qui pèsera un peu lourd, mais votre pensée sera claire et sans détour. Taureau, signe fort du jour, vous réaliserez une tâche improvisée très importante. La grâce va vous consentir de concrétiser quelque chose qui vous tenait terriblement à cœur. Gémeaux, votre situation risquera d'être complexe, voire irritante. On vous fera certains reproches ou vous ne réussirez pas tout de suite à équilibrer un désaccord ou à obtenir une entente importante pour la bonne continuité d'un projet. Cancer, signe d'amour du jour, les cancers. Si vous avez déjà un partenaire, vous ressentirez le besoin de prendre un peu de recul par rapport à votre histoire. Jupiter confirmera cette tendance en vous inspirant d'impérieux besoins de liberté et d'autonomie. Lion, vos résultats professionnels seront de plus en plus honorables. Jupiter en balance appuiera cette tendance et vous conférera un charisme surpuissant. Vierge, Mars dans votre maison 2, l'argent vous donnera des idées de génie pour trouver des capitaux ou des revenus. Vous confirmez votre stabilité matérielle. Balance, jour de succès professionnel, vous développez des projets de tous ordres avec force. Une balance amoureuse est une balance parfaitement heureuse et ce sera le cas. De plus, la sécurité financière sera présente dans votre vie. Scorpion, il n'y aura pas de place pour les quiproquos, car vous prendrez le temps de faire passer vos messages correctement et sans brusquerie. Sagittaire, grâce à Vénus, vous détiendrez aussi l'art du dialogue. Vous saurez parler en public, en privé, vous exprimer, vous adapter à votre auditoire avec beaucoup de finesse et de diplomatie. Capricorne, il faudra équilibrer votre emploi du temps. Accordez régulièrement de votre présence à tous ceux qui en ont besoin. Verseau, vous emploierez les bons mots. Vous aurez le sens du contact, de la responsabilité, de l'amitié et vous vous ferez apprécier. Poisson, programmez tout pour éviter de vous perdre, car vous ne vous pardonnerez pas d'avoir commis une erreur. Donc, pour traverser cette tendance sans prendre le risque de vous blesser moralement, accordez-vous du temps pour vous détendre entre des plages d'action surchargées et méthodiquement organisées. Ici Rachel. Un beau jour commence. Il existe toujours une réponse à chaque problème.